Marc Lévy disait « Les émotions sont faites pour être partagées. » Pourquoi on nous fait chier avec les MST du coup? Bah, c'est juste des émotions en champignons, hein. Arriver et parler d'émotions quand t'es un homme, c'est comme débarquer à un congrès de diabétiques avec un pot Nutella sous le bras, tu vois. C'est pas super bien vu. Émotion, ça vient du latin « emovere », qui veut dire « mettre en mouvement ». Donc les tétraplégiques, vous pouvez quitter cette vidéo. Enfin, même si vous n'avez pas pu la lancer, du coup. L'émotion, c'est une réaction qu'on a suite à des influences biochimiques en interne et environnementales en externe. Genre, imagine, un bûcheron, tu zozotes et tu parles à des arbres qui sont méchants avec toi. Qu'est-ce que tu leur dis? Oh, mais qu'est-ce que vous me faites chier? Là, maintenant, je ressens de la tristesse, par exemple. Et moi, ma synesthésie, elle est liée aux émotions. Alors, tout ce qui est positif dans ma vie, je vais le voir en bleu, en général. Souvenir, rire, Karim Benzema... Moi, je pense que c'est Karim qui a volé l'orange de Deschamps. Ah, je vois pas, sinon. Alors, on a beaucoup d'émotions, mais on peut les grouper en 6 grandes familles. Alors là, je dis famille, t'as tous les orphelins, ils sont là... Oh, la chance! Non, mais j'ai un bon fond, moi. Récemment, j'ai emmené un orphelin voir Star Wars. Et c'est peut-être la seule fois de sa vie qu'il va entendre la phrase « Je suis ton père hein. ». Les émotions de base, que sont donc surprise, tristesse, peur, dégoût, colère, et la joie! La surprise, c'est genre... Hey, Didier, tu sais que Muriel était enceinte depuis 6 mois? La tristesse. Bon, bah, on annule le ventre église, du coup. La peur. Imagine, c'est moi le père. Le dégoût. Non mais en plus, sous comme j'étais, le gamin il va naître en coma éthylique là. La colère. Putain, j'aurais dû mettre une capote il y a 3 semaines. Et la joie. Oh mais heureusement, la Muriel elle est morte il y a 6 mois là. Wow. Parfois tu peux cumuler tristesse et joie en même temps. Ah bah prends le cas du pont de Ligonnès. Hein. Il était triste de plus revoir sa famille. Mais il était tellement heureux de refaire sa terrasse. S'il faut tes émotions, c'est juste ton âme qui te parle en fait. T'imagines le jour où on mettra les émotions en flacon, toi? Putain, les mecs, personne n'a vu les fioles de tristesse et colère, là? Ah non, on a tout mis dans Greta Thunberg, nous.